Ok. Putain, ça fait bien. On a encore fait transpirer les vitres. C'est un bel objectif dans la vie, moi, je trouve. Tu fais quoi? Je fais transpirer les vitres. C'est clair. Avec plein de gens. Bah, juste ça et du sexe et tout. Ah bah alors justement... Bon les gars, je vous préviens, la prochaine théoriquement c'est la dernière. Ladies and gentlemen, si vous en voulez plus, je vous le dis direct, faudra faire un rappel de folie. Et on est carrément des gens à se faire prier. Enfin, surtout Paul. Celui qui a crié à poil, j'aurais quand même signalé que je peux difficilement l'être beaucoup plus. Enfin, ça n'était peut-être pas destiné. C'est pas faux, tiens, vas-y. C'était peut-être destiné à ma personne. Alors, attends. Alors, j'avoue que j'aurais préféré entendre des... Mais bon, faute de grive. On nique des mecs. C'est une chanson d'amour. Super simple. On compte sur vous pour les refrains parce que s'il n'y a pas de cœur, ça vaut rien. Est-ce que par hasard quelqu'un aurait le bras assez long pour nous ramener 3 bières? Je dis ça, je dis rien. Si c'est jouable, c'est avec plaisir. Yeah.
sont bilingues, j'ai l'armée, c'est magnifique. Gérard May, la nouvelle capitale du sexe. Ils ont pas dit non. Et du rock'n'roll. Ah ouais. Et du sexe dans la neige avec du rock'n'roll. On y retourne. Un mec qui j'ai joué il y a fort longtemps, il est mort depuis.
Et il jouait dans un bled qui s'appelait Fond Romeu. Et donc à la fin d'une chanson, il faisait Ah Fond Romeu. Et il disait quel beau troupeau. C'était histoire de. Mais il n'y a aucune moquerie. Hein. C'est pas mon visage, c'est pas mon style. On est vraiment super contents d'être là ce soir. Et on est super contents de rejouer dans des endroits où on peut vraiment être tout près de vous comme ça. J'ai vraiment la sensation de transpirer tous ensemble. C'est clair, comme ça on sent bien vos odeurs. Et ouais, puis vous les nôtres, d'ailleurs il y a des projections, hein, de la vie, moi, dès que j'agite la tête. Enfin bref, la chanson suivante, elle a donné son titre à notre deuxième album, qui est le premier qu'on a écrit dans les Vosges. Quand on est arrivé dans cette région il y a 8 ans. 8 ans. Et voilà, on a écrit du coup 2 albums ici, mais cette chanson était la première. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et c'est un petit peu une chanson de protestation, c'est. En ce moment, c'est les jeux. Parce qu'on est indé, totalement indé, indésirable et indépendant. Seul. De l'écriture à la promo et tout, enfin voilà, il y a des gens qui nous aident quand même, comme Anne, ici présente par là, qui s'occupe de notre merch, qui nous vend au concert. Et puis heureusement, il y a vous. Et ouais. Et vous êtes nombreux, et notamment ici dans la salle, à nous avoir aidés et avoir participé à la production de nos disques. Et on ne vous remerciera jamais assez pour ça. Je vous jure que sans vous, on ne serait plus ici sur les scènes depuis longtemps. Merci. Ça s'appelle donc Far East. Nous sommes